Ça c'est survivre. Sinon tu deviens fou. Qu'est-ce qui te prend? Je vais passer le temps.
Et le César de la meilleure actrice est attribué à Adèle Haenel dans Les Combattants. C'est son deuxième César en 2 ans après celui du second rôle pour Suzanne en 2014. Elle avait été aussi nommée en révélation féminine pour Naissance des pieuvres et pour La Polonide. On l'a aussi vu l'an dernier dans L'homme qu'on aimait trop d'André Téchiné avec Guillaume Canet. On la retrouvera en 2015 dans The Forbidden Room du Canadien Guy Madin. Puis dans Les Ogres. Et donc, messieurs. Le César du meilleur espoir masculin est attribué à Kevin Azais. Dans Les Combattants. C'est le frère de Vincent Rottier qui avait débuté au cinéma avec Adèle Haenel, sa partenaire. Et le César du meilleur premier film est attribué à... Les Combattants. Les Combattants. L'histoire d'un jeune homme subjugué par la beauté d'une fille qui n'a qu'une obsession, s'engager dans l'armée